comment je me suis retrouvée à travailler gratuitement, le week-end, beaucoup plus. Et comment je me suis retrouvée à ce dîner bien pompeux, là. Comment j'ai fait pour me retrouver à aider au déménagement de la cousine, de l'amie, de la fille de ma voisine? Ça vous parle? Ça vous parle, cette situation? Donc voilà, dans cette vidéo, comme vous me l'avez demandé sur Instagram, on va aborder l'art de dire non. Comment s'affirmer? Et que ce soit dans la vie de tous les jours ou dans votre travail. Allez, c'est parti! Donc vu qu'on parle business ici, on va commencer par savoir dire non aux mauvais clients. Donc en fait, tous les coachs et les consultants ne sont pas forcément toujours d'accord sur ce sujet. Il y a même des gens qui considèrent que c'est assez effrayant de dire non à ses clients. Et en fait, de toutes les stratégies commerciales qui existent, je trouve que c'est celle qui est finalement la plus libératrice. En ce qui me concerne, au niveau du travail, j'ai toujours appliqué cette règle, en tout cas depuis que je suis entrepreneuse, parce que dans ma vie de salariée, ce n'était pas tout à fait ça. Il ne s'agit pas d'être désagréable, il ne s'agit pas d'être impoli ou irrespectueux, il s'agit juste de garder sa motivation et surtout son bien-être mental. Donc d'abord, je vais vous expliquer ce que je considère être un mauvais client. Alors il y en a qui vous diront, il n'y a pas de mauvais client tant qu'il paye. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Parce que on en fait quoi de ceux qui ne payent pas, ou qui payent en retard, ou qui payent en 10 fois sans frais alors que ce n'était pas le contrat? Sachant que dans ce genre de situation, vous passez beaucoup d'énergie et de temps à leur courir après, alors que potentiellement vous avez d'autres choses à faire, en tout cas si vous voulez développer votre entreprise ou tout simplement qu'elle fonctionne. Et on en fait quoi des clients qui ne sont jamais satisfaits, quel que soit ce que vous donnez ou ce que vous faites pour eux? Qu'est-ce qu'on fait de ceux qui prennent tout leur temps et vous êtes obligés de relancer en permanence? Et qu'est-ce qu'on fait de ceux qui sont chiants et difficiles à gérer, hein? On va dire les termes, on va dire les choses. Oui, il y a des clients qui sont chiants. Un jour, j'ai même une amie qui m'a dit, il existe les TripAdvisor et tous ces trucs-là pour noter en fait les établissements. Il y a même des choses qui existent pour noter les entreprises, sans forcément que ce soit des hôtels ou des restaurants. Mais elle m'a dit, ce qu'il faudrait, c'est une application pour qu'on puisse nous aussi noter les clients. J'avais ri, mais elle n'avait pas tort sur le coup. Donc par rapport à tout ce que je vous disais, je suis persuadée que là-dedans, dans cette liste, il y a des cas que vous allez reconnaître pour vous-même. Alors Steve Jobs disait, c'est seulement en disant non que vous pouvez vous concentrer sur les choses qui sont vraiment importantes. En fait, quand vous gérez une activité, je considère que si vous devez vous accrocher à vos mauvais clients, c'est qu'en fait vous êtes juste esclave de votre entreprise. Et pour moi, et c'est personnel, je ne trouve pas que c'est une bonne façon de vivre et de gérer son activité. Et donc j'encourage tout le monde, que ce soit en tant que salarié ou en tant qu'ayant sa propre activité, à dire non aux mauvais clients, à dire non aux mauvais projets, à dire non à tout ce qui va finalement vous saper le moral et faire que vous allez être mauvais, tout simplement. Et ce, même si parfois, vous allez avoir des conversations assez difficiles parce que vous avez dit non. Alors vous allez me dire, oui, ben, c'est bien, mais pendant qu'on dit non, on n'a pas de nouveau contrat. Eh bien, c'est pas vrai. Parce qu'un mauvais client, c'est du temps que vous allez passer à le relancer, lui réexpliquer, mais en fait, c'est pas pour lui réexpliquer, parce que c'est juste qu'il ne veut pas comprendre, lui renvoyer 1000 fois le même mail parce qu'il ne l'a pas ouvert, il ne sait pas où il l'a mis, il a oublié de télécharger, il a oublié de prendre, bon, bref, quelle que soit l'excuse. Et en fait, tout ce temps que vous perdez, ben c'est votre rentabilité qui en prend un coup. Par exemple, je vous donne un exemple. Imaginons, vous devez faire un site internet de 5 pages. Vous passez à peu près une semaine pour faire ce site de 5 pages avec un client qui est réactif, lui-même motivé, agréable, parce que ça va avec généralement. Voilà, ça se passe facilement. Une semaine, un site web. Donc une semaine, un site web, la facture qui va avec, d'accord? Imaginons maintenant le client qui n'est pas satisfait, mais pas parce que vous avez mal fait, parce que c'est dans sa nature, hein, on parle bien, attention, hein, on a le droit de ne pas être satisfait, hein. Si je mets des coups de pied dans le pied, ça ne va pas aller. Donc, imaginez donc un client qui n'est pas content, qui vous demande 1000 fois la même modification. En fait, c'est tout simplement parce qu'il ne sait pas ce qu'il veut, qui met 3 ans à vous faire le contenu, qui vous appelle constamment, qui vous dit « vous inquiétez pas, je suis là, mais à chaque fois vous devez répondre ». Tout ça, le projet n'avance pas, mais vous prenez quand même du temps pour cette personne qui vous sollicite parce qu'elle a peut-être elle-même pas confiance en elle. Enfin voilà, il y a peut-être d'autres problèmes derrière, mais vous n'êtes pas psy. En tout cas, ce n'est pas votre métier, donc ce serait dangereux de vous engager sur un
terrain qui ne soit pas le vôtre. Lequel est le plus rentable des deux? Mais la facture, à la fin, elle est la même. Imaginons que vous passez un mois sur ce client insatisfait. Un mois de votre temps. Alors que vous pourriez passer une semaine à faire un site. Mais pendant ce mois, vous n'avez qu'une fois le montant. Alors que si vous faites deux sites, parce qu'on ne peut pas faire un site toutes les semaines si on n'a pas notre activité à côté. Il y en a qui le font, mais ce que je veux dire, c'est que un site fois 4, donc 4 sites en un mois, c'est mieux qu'un site. Et en plus, le moral n'est pas le même, parce que 4 personnes satisfaites qui sont disponibles, ça n'a rien à voir avec une personne qui finalement, jusqu'au bout, va tirer le jus de vous. D'accord? Donc voilà, pourquoi non? C'est pas rentable de dire non à ses clients, ça c'est clair. Alors ne vous inquiétez pas, dire non, c'est pas forcément horrible. Il y a des façons d'adoucir, il y a des façons de dire non et c'est ce qu'on va voir maintenant. En fait, ce que je vous suggère, c'est de rester humble et de leur dire honnêtement que vous ne pouvez pas ou que vous ne sentez pas que vous serez en capacité de répondre à leurs attentes. Et vous ne mentez pas au final. Et en fait, ce que vous pouvez, c'est scénariser un petit peu tout ce pitch avant. Et comme ça, vous êtes préparé lorsque vous allez émettre votre négation. Et alors là, c'est super. Parce qu'une fois que vous avez dit non, eh bien, vous allez retrouver votre élan d'énergie et avoir du temps supplémentaire que vous allez pouvoir consacrer à de bons clients, à des clients aimables, à des clients responsables, engagés. Alors, est-ce que c'est un conseil qui est difficile à mettre en œuvre? Oui. Est-ce que c'est effrayant? Peut-être. Et est-ce que ça vaut le coup? Absolument. Et donc là, on vient de parler du travail, mais dans le quotidien, c'est exactement la même chose. En fait, quand j'ai préparé cette vidéo, la première chose auquel j'ai pensé, c'est que si je savais dire non un peu plus souvent dans ma vie de tous les jours, peut-être que je me retrouverais moins dans des situations où à chaque fois que je m'y retrouve, je me dis « mais comment j'ai pu m'y retrouver ?» Alors, ça va que c'est jamais des choses très graves, mais... prend du temps, quoi. Donc, vous l'aurez compris, dans le travail, pas de problème. J'arrive à manager mes envies, ma façon de faire, etc. Mais alors, dans la vie de tous les jours, c'est un tout petit peu différent. Et je pense que vous pouvez aussi être dans cette situation, savoir dire non dans certains cas et d'autres, pas du tout. Je finis toujours par en faire trop, en prendre trop. Puis au final, je suis stressée, j'ai pas de temps pour moi. Enfin, voilà, quoi. Et donc, depuis quelques mois, je travaille là-dessus et j'y arrive. Donc, c'est pour ça qu'il était temps de faire cette vidéo et de vous demander si ça vous intéressait. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est apprendre à être sélectif. Paraît logique. Et donc, forcément, dire oui uniquement aux choses que vous considérez comme importantes pour vous. En fait, il faut prioriser. Et pour ça, on fait comment? Déjà, il faut se rendre compte que le monde ne va pas s'arrêter de tourner si vous n'êtes pas impliqué dans telle ou telle chose. Et ensuite, en disant non, en commençant en tout cas, vous allez vous rendre compte que vous allez être beaucoup moins stressé, bien plus productif dans votre vie de tous les jours, je ne parle pas que travail. Et qu'est-ce qu'on se sent mieux? Et donc l'ingrédient vital, c'est de savoir dire non poliment et d'intégrer ça dans notre quotidien. Alors pour ça, moi je suis 5 mojo bien précis. Maintenant, je choisis qui je laisse rentrer dans ma vie et dans mon business. Point. Je me rends compte aussi, par rapport à moi et par rapport aux autres, comment j'interagis avec ces gens. Prendre sur soi. Être peut-être moins agressif. Alors agressif, je ne parle pas du ton, je parle de la pédagogie, la diplomatie, ce genre de choses. Je fais en sorte qu'il y ait une autonomisation mutuelle, c'est-à-dire de la réciprocité. Je choisis des gens ou un environnement, etc., qui a une vision et des valeurs partagées. Et je mets l'honnêteté et la confiance au cœur de tout. Oui, on ne peut pas faire confiance à tout le monde, mais si vous commencez directement à vous méfier, ça se ressent. Et tout ça, ça ne crée pas forcément des bons liens avec les gens. Si ça ne crée pas des bons liens, vous avez après des manques et vous allez vouloir faire pour vous faire apprécier. Enfin voilà, c'est un cercle. On ne va pas rentrer dans tous les biais cognitifs qui existent, mais voilà. Il faut baser les choses sur la confiance et l'honnêteté, que vous soyez vous-même une personne honnête et de confiance. Et quand vous dites non, vous pouvez être clair et gentil. Être affirmatif, ça ne veut pas du tout dire être agressif. Alors, comment on fait? Encore une fois. Déjà, on prend le temps avant de répondre. On ne répond pas immédiatement, on prend le temps à la réflexion. Ensuite, on tient compte de ses références pour pouvoir donner une réponse. Est-ce que ça répond aux valeurs que j'ai? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez promis? Est-ce que c'est de votre responsabilité? Est-ce que c'est essentiel ou est-ce que c'est simplement vous pensez devoir? Il faut être honnête, je le disais, il faut honorer ce que vous dites. Donc, c'est mieux de réfléchir avant. Il faut être aussi responsable, donc
mine de rien, il y a des choses qu'on ferait peut-être moins si on gardait cet élément en tête, se dire qu'on a pris une grosse responsabilité. Par exemple, garder un enfant de 2 semaines, si vous le faites parce que la maman vous a supplié, que vous êtes la seule personne de son entourage, disponible, de confiance, etc., et que vous dites oui par dépit, mais qu'en fait, vous ne sentez pas les épaules, en cas de problème, on est là de la responsabilité d'un enfant de 2 semaines ou 2 mois, enfin, c'est énorme. Donc, voilà, réfléchissez bien à la responsabilité, à votre engagement lorsque vous dites oui à quelque chose. Soyez prévenant, bien sûr, ça toujours, hein, que ce soit pour dire oui ou pour dire non, il faut toujours être prévenant. Alors, qu'est-ce qu'on ne fait pas? Je pense que c'est important de le dire. Qu'est-ce qu'on ne fait pas? Bon, on ne crie pas après les gens pour leur dire non. C'est mieux. Ouais, c'est mieux. On n'attend pas aussi le dernier moment, une fois qu'on a épuisé tout le temps qui nous restait pour répondre, et puis finalement, on dit un non dans l'urgence et on met la personne dans l'embarras. On n'attend pas d'être poussé à bout jusqu'au dernier moment et puis de perdre son sang-froid. On ne blâme pas les autres pour les décisions, même mauvaises, qu'on a pu prendre. Et si, par malheur, au lieu de dire non, on a dit oui, eh ben, on assume. Hein, on n'en veut pas à la situation, on ne s'échauffe pas. Voilà. On n'invente pas une histoire pour pouvoir dire non, même si oui, je sais, c'est très très tentant. Et je pense que tout le monde l'a déjà fait, au moins une fois. On ne se justifie pas. Bah voilà, vous avez dit non, parce que vous n'avez pas envie, ou parce que vous ne pouvez pas. Mais vous ne vous justifiez pas, vous avez dit non. On vous a posé une question, donc c'est un oui ou c'est un non. Bah c'est non. Et on ne demande pas à quelqu'un d'autre de dire non pour soi-même. D'accord? Une vie, c'est toujours en évolution. Alors arrêtez de vous donner du fil à retordre en permanence. Une interaction n'est pas nécessairement bonne ou mauvaise. Il faut simplement que vous arriviez à comprendre, que vous connaissiez quels sont vos piliers de décision et que vous sachiez exactement ce qui vous satisfait vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé, vous pouvez liker. Si ce n'est pas encore fait, eh bien vous pouvez vous abonner aux vidéos pour avoir donc les prochaines et être un entrepreneur éclairé. Et si vous avez l'ambition de créer votre propre business, eh bien dans la description, vous pouvez télécharger mon guide qui explique les différentes étapes de création et de développement d'une entreprise en tant qu'entrepreneur. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.